l'espace Mustafar, je peux pas le faire. Et là, c'est que des missions que je peux pas faire pour l'instant. Voilà. Eh ben, on va aller sur Dagobah. Dans le marais des serpents dragons. Voilà, moi, la majorité des zones, je peux pas les faire à 100% parce qu'il manque des quêtes qui te demandent d'aller faire une quête précisément dans une, sur une planète. Donc forcément. Mais en soi, pour moi, on a fait ce qu'on pouvait, donc 80% c'est déjà bien, je pense. C'est quoi là-haut? Ah. Ding ding ding, vous êtes notre 100e client, ce qui signifie que vous avez emporté un magnifique prix, une occasion unique de... voyons au secours de pilotes rebelles en danger de mort. Faites vite, cette offre est à durée très limitée. Pardon, il ne sera pas longtemps, allez-y où? Oui. Super, avançons pour avancer pour recevoir ce prix. Oui. Choix, hein. Le truc, c'est que ces quêtes-là, c'est sur plus... En fait, c'est plusieurs étapes, c'est pas juste une quête. Tu sais, c'est pas genre faire une quête pour débloquer la suite. C'est vraiment genre plusieurs quêtes à faire. C'est vraiment plusieurs quêtes à faire pour avancer dans les quêtes en fait. C'est des quêtes qui sont bloquées par d'autres quêtes. Pardon? Hey, il est où mon bruit de bouche au glaster? Enfin, mon bruit de blaster à la bouche là? Je suis dégoûté. Je voulais mon bruit de laser à la bouche. Ouais, j'arrive les gars, hein. Courage, hein. Merci pour les 5 briques. On y retourne. Et voilà. Merci de votre aide. Félicitations, en remplissant les conditions de... Non. En remplissant les conditions de prix, vous avez remporté justement un incroyable bonus. Maintenant, vous pouvez bien m'excuser, je vais aller vérifier avec circuit. Super. Cool. C'est quoi mon prix, c'est lui? C'est l'astro... C'est le mitrailleur technicien impérial. Bah écoute. Okay. Alors quoi ce soir? Bah j'ai rien de prévu. J'ai rien de prévu et en vrai j'étais chaud pour faire du Lego toute la soirée, toute la journée, mais je sais pas. Et j'ai rien de prévu ce soir. Du coup je sais pas. Je sais pas du tout. J'avoue qu'aujourd'hui c'est un peu à la YOLO. Putain mais Delphiac. Bah on faut que je demande à Pierre si je joue pour en faire demain, mais peut-être pas ce soir. Hein. Bon, on verra, je fais du Lego, je sens que ça me gave vraiment et puis après on verra si on fait autre chose. Je peux toujours demander à Martin s'il veut faire du Apex ou quoi. Hein. Enfin, mais de toute façon je l'avais dit hein, qu'après la Zilade ce serait très chill hein. Et c'est exactement ce qui se passe hein. J'ai plus mes bruits de blaster. Non c'est un scandale, non c'est un scandale. J'ai payé pour avoir des bruits de blaster off à la bouche. Donc vous me mettez mes bruits de blaster off à la bouche hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une aberration C'est une aberration ce qui se passe là. C'est sûrement ça après planète après planète. Ouais c'est ça. Le Wookie errant. Ravi de vous revoir. Oui. 7 sur 33. Let's go. Mais ça souvent c'est la musique de la cantina qui bloque tout.
un cerf arc-en-ciel. Waouh. Mais ça non, c'est mon... Bah non, c'est bugué. Pardon, je vais le retirer, quitter le menu et le remettre. Pas de droit au bonheur. Pas de droit au bonheur, pas grave. Mais dans quelle région? La Haute-Garonne. À Toulouse. Chartres, t'as 2 ans de retard, regarde. 2 ans too late. Ah hein. Ah, prendre ça. En avant pour sauver l'univers. Et ça va ouvrir ça? C'est ça l'histoire? Ouais, exactement. Boop. Ouais, faut relancer le jeu, je pense, ouais. Et comme tu dis, Turbo Flemme. Oh, il est vivant. Let's go. Let's go. Tu peux me ramener Yoda? Le chasseur B-Wing. Ah, mon vaisseau préféré, bien sûr. Trop content d'avoir récupéré mon vaisseau préféré. Oh, désolé, j'ai manqué quoi? Bah, du farm. On est là pour ça, on fait que ça. Donc t'as raté des zones de farm, je sais pas. Mais pourquoi ça marche maintenant? Pourquoi ça marche? Bref. Beaucoup d'entre eux au fil des années, j'ai utilisé. Bref. Ne cherchons pas trop loin. Y'a des trucs à faire ici. Oula, oula, mais on a un là-bas. Oh. Très technique comme déplacement quand même. Hein. Très technique pour pas grand chose. Hein. Mais ça passe. Précieusement, je le garderai. Piou 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 piou. Piou 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 piou. Oui, le jeu a encore quelques bugs, oui. Attends, c'est le lézard qui est décédé ou c'est le lézard qui a fait... J'ai l'impression que c'est le lézard qui a fait ça. Bonjour. Eh bien, quelle surprise, je m'attendais pas à avoir quelqu'un ici. Votre vaisseau s'est effondré, bah vous aussi. Bah, s'est écrasé, mais... On pourrait être copains de naufrage, dites, vous êtes d'accord? S'il y a une chose que tous les copains de naufrage font, c'est trouver un endroit sympa pour s'installer, à l'abri de tous les désagréments. Alors on y va. Épisode 4, une nouvelle demeure. Super, j'avais beaucoup trop peur de m'explorer cet endroit tout seul. C'est plus sympa avec quelqu'un de mes côtés pour s'attirer les foudres de l'ennemi. Pour me chanter des chansons, oui. Épisode 4. Il y a plusieurs épisodes? Il va speedrun le jeu, tu penses? Bah, après, il n'y a pas vraiment de hack possible, donc. C'est plus un truc un peu comme Mario Kart, c'est-à-dire du. Pardon. Juste terminer le jeu le plus rapidement possible, mais genre. Ouais. Le speedrun c'était quoi en 6-8 heures peut-être? Mais
Ouais, de l'opti, voilà, ça c'est de l'optimisation. Hein. C'est pour ça qu'on pourra faire autrement. Il y a des maisons. Bibi enthousiaste. Regardez une maison, vous pensez qu'elle est habitée? On entre pour voir. Non, je suis trop nerveux, je peux pas entrer pour rencontrer nos voisins. Allons voir ailleurs. 2 x 8, c'est 48 millions. Il y a personne. Ok, l'intérêt. Ça va être la bûche dans le feu pour... Ah, j'ai compris. En fait, il faut mettre ça comme ça. Ensuite, tu mets la bûche. Comme ça, la bûche elle chauffe. Ensuite, tu mets... Ah non, c'est pour... Attends, c'est pour grimper dans... J'ai pas tout compris. Il y a forcément un truc à faire. Ouais, tu fais cuire ça au feu de moi. Déjà faisons la quête d'escorter ce petit gars. Intéressant, on pourrait peut-être me servir de cette camelote pour construire une maison, mais ce liquide a l'air trop dangereux et j'ai hors du danger. Non, c'est non, allez en avant. Ah mais il m'emmerde. Test 417, la nouvelle formule montre une croissance rapide appliquée aux champignons ici. Oui, on reviendra plus tard. Vas-y, oui, fais-toi plaisir. Ah. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit? Plutôt cool et mystérieux, comme s'il se cachait quelque chose. Peut-être pas idéal pour s'installer. Ouais, on continue. Oh, il m'emmerde. En fait, il me montre tous les endroits où il y a des trucs à faire, en fait, c'est tout. C'est tout ce qu'il fait, il m'emmerde, quoi, finalement. Ah, bah voilà, c'est bon, on a trouvé, regarde. En face une grotte, on va pouvoir mettre dans la grotte. Mais c'est même pourquoi je suis descendu, cette grotte est beaucoup trop lugubre, je n'y habiterai pas même si c'est bien payé. Ah, oh, pardon. Quand je suis frustré, je chante un peu. Mais qu'est-ce que c'est? Intéressant. Ok. C'est le Wonder Comet. Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Et ça repart? Ah oui, d'accord. Et là, il faut que je construise le truc pour rebondir. Non? Pas du tout. Faut justement que je le fasse tourner, ça peut être. Oui. Non, ça on s'en fout. Bam! Comme on dit chez moi, bam! Oh, 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 oh la thune! Ça, je peux le tourner ou pas? Ah, je peux pas le tourner.
Est-ce que de l'autre côté il y avait quelque chose et j'ai été aveugle? Ah non. Ah, quel est l'intérêt du coup de l'envoyer là? Y'a un trou dans le mur! Ah bordel! Mais oh, oh la vache. Ah oui, donc c'est là, là c'est, ouais, c'est full random. Hein. C'est full random. Hein. À aucun moment j'ai cramé qu'il y avait un trou dans le mur. Hein. Eh ben mon salaud. Voilà, clac. Bouya. Comme ça, hop, on part là-bas. On va récupérer. Non mais faut que j'aille avec Yoda, je suis con. Ouais Marjo. Comme ça.